L'ulcère de Biruli est une maladie infectieuse qui est provoquée par un microbe. Et ce microbe, il est bien connu, il a été découvert depuis 1948 en Australie. Et donc, ce microbe responsable de la maladie va entraîner une destruction de la graisse sous-cutanée. Et c'est pour cela que le début de la maladie commence toujours dans la graisse sous-cutanée. Trois types de formes, essentiellement en Afrique, soit une boule qui est sous la peau qu'on appelle un nodule, soit alors une plaque, et la troisième forme, c'est un gonflement. Il n'y a aucune douleur, il n'y a pas de fièvre. Et évidemment, cela n'incite pas les gens à consulter. Si rien n'est fait au stade de début, alors au bout de 3-4 semaines, il va avoir donc un ulcère. La majorité des malades sont des enfants. Des enfants de 0 à 15 ans. Donc, c'est la période où les enfants doivent aller à l'école, qui est l'éducation. C'est à cette période-là donc que la maladie survient chez ces enfants, qui va donc les sortir du circuit scolaire complètement ou alors les retarder. D'où la nécessité de non seulement traiter les malades, mais également penser à leur réinsertion scolaire ou socio-professionnelle. Il faut passer maintenant à la remettre à l'école. Tu as terminé sa scolarité. Mais tu es motivé, hein. Tu as envie de reprendre les cours. Tu es pressé de reprendre l'école. On a un guet sans aimer. D'accord. Donc elle a quel âge? Elle a 7 ans? Oui, elle a 7 ans. Et puis elle a eu ça à quel âge? Bon, elle a eu ça à l'âge de 3 ans. 3 ans. Oui. Et pendant tout ça, elle a été dépistée quand? Et depuis 4 ans. À 4 ans, un an après. Un an après. Et on était revenus dans ce même centre. C'est par rapport à un centre des Zougoubé qu'on a connu qu'on pouvait faire l'opération de son bras. Oui. Et puis ça fait opérer il y a 2 jours. Oui, c'est fait opérer et il y a 2 jours. Elle est en train de se. Elle passe au Seuil cette année. Oui. Et elle a arrêté. Elle passe au Seuil. Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas allée à l'école depuis? Bon, ça fait un an. Un an qu'elle n'est pas allée à l'école. Ce qui a fait qu'elle a pu doubler une classe. Elle a doublé une classe à cause de CP2. Ça. Et pour quelle raison? C'est à cause de la maladie? Si, c'est à cause de la maladie. Oui. D'accord. Si il y aurait eu, ça aurait été mieux s'il y aurait eu des personnes qui étaient capables de leur donner des cours pendant la maladie, dans les hôpitaux, oui. Ou même ici, des cours. C'était mieux, ça allait être mieux. C'était bien. C'était ça allait bien. Mieux. Ça allait être mieux. Voilà, c'est ce qu'on va faire en fait. Nous, on aimerait que tous ceux qui sont atteints d'ulcère de Biruli, pendant la maladie, pendant qu'ils sont avant qu'ils fassent l'opération, s'ils n'arrivent pas à suivre leur éducation, qu'ils aient des cours spécialisés, des professeurs, qu'ils aient des professeurs qui leur donnent des cours. La demoiselle, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas allée à l'école. Et elle a peur de se réintégrer, de repartir à l'école parce que ça fait longtemps, elle m'a dit. Donc, au lieu d'aller à l'école dans une classe, on peut avoir des cours spécialisés dans un métier. Elle va apprendre la couture, elle va apprendre autre chose. C'est ce que nous on veut en fait. Les réintégrer dans la vie éducative, dans la vie active après l'opération. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on veut faire ce projet-là. Ça, c'est une couche de tulle gras. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir la viabilité de ce qui a été mis là. Elle a ici un îlot de peau qui a été prélevé au niveau du dos. Ouais. Du quatrième doigt. Et l'endroit où on a prélevé, on a mis une greffe de peau qui, elle, a été prélevée au niveau de sa hanche droite. Mais ce petit lambeau
est irriguée par des vaisseaux qui viennent de là, une toute petite artère qu'on ne voit pas, qui est dessous, et qu'on a disséqué ainsi, puis on a placé en tunnel dessous pour ressortir et couvrir l'articulation complètement ouverte. Et on voit qu'il est parfaitement irrigué jusqu'au bout. Ça, c'est la plaie qui est utilisée pour prélever ce qu'on appelle un pédicule. Le pédicule, c'est l'arbre qui donne vie aux feuilles que serait le lambeau. Donc maintenant, on va refaire le pansement. Là, il n'y a pas de plaie dessous. On a pu libérer les doigts. Et maintenant, on va refaire ça, parce que c'est impressionnant pour la petite. Mais ça va très, 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 très bien. J'ai choisi d'aider les personnes souffrant de l'ulcère de Borrelie à retrouver leur estime d'elles-mêmes et à travailler sur leur réintégration dans le système éducatif et dans la société en général. Les conséquences de l'ulcère de Borrelie sont dramatiques, car en plus de conduire à une incapacité permanente, c'est une maladie qui isole et qui marginalise. C'est donc la cause que j'ai décidé de soutenir durant mon mandat, car notre pays à lui seul signale près de la moitié du nombre de cas dans le monde.